tous les utilisateurs de OneDrive que j'ai rencontrés ne peuvent plus s'en passer pour travailler sur des documents en équipe ou en réseau. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très utile dans des cas très simples. Pour travailler à plusieurs sur un même document ou pour accéder à la dernière version d'un document, l'email n'est pas vraiment l'idéal. De même, partager un document lourd est souvent impossible à faire par email. Et de plus en plus souvent, on aimerait travailler avec des personnes externes sur un ou plusieurs documents. Donc, en plus de trouver vos repères dans l'interface OneDrive et de connaître les fonctionnalités les plus utiles, je vous conseille vraiment de garder en tête la règle de 3 qui vous évitera quelques déboires, sans parler de quelques astuces qui vont vous faire gagner un temps fou. Et ça, c'est dans Skillysy. Savez-vous que cette personne passe en moyenne 50% de son temps à travailler avec des technologies du type Microsoft? Et demain, plus encore! Je me débrouille très bien avec ce que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de changer ni envie de devenir une experte du numérique. Pourtant, beaucoup d'innovations sont faciles d'accès. Elles viennent du grand public. Elles nous rendent plus efficaces et nous font gagner du temps. Mais moi, j'ai pas le temps d'aller à des formations pour ça. Pourtant, c'est vous qui avez besoin de ces innovations pour gagner en efficacité. Bah oui, c'est vrai. Si on vous explique pourquoi changer, là, vous avez tout à y gagner. On vous suggère les nouveautés les plus utiles pour vous, sous un format sympa, avec la possibilité de voir quel contenu vos collègues ont apprécié. En fait, vous gagnez du temps en sachant exactement ce qu'il faut apprendre pour devenir meilleur dans votre métier. Nous avons réuni trois ingrédients essentiels pour un apprentissage réussi. 1. Apprendre les bonnes pratiques autour du numérique. 2. Apprendre en faisant. C'est comme si on était à côté de vous, on vous dit où cliquer. 3. Enfin, apprendre en partageant. Un forum de discussion où vous pouvez poser vos questions et échanger vos astuces. Ah, pas mal! Et comment je sais que ça marche? Pour vous évaluer, on vous fait jouer. Vous pouvez suivre votre progression, celle de vos contacts et, évidemment, celle de votre entreprise. Cette méthode a déjà été appliquée à plus d'1 million de personnes. Là, ça m'intéresse. J'y vais comment? Soit par accès gratuit via votre compte Facebook ou LinkedIn, soit par abonnement, et tout est à votre disposition. L'apprentissage en ligne avec tout le contenu pédagogique Office 365 français et anglais. Les guides intelligents qui vous emmènent pas à pas dans Office 365. L'accès automatique avec votre compte Office 365 si vous en avez un. On y va?